Nutrineur Coopérative, on est impliqué dans 4 grands secteurs d'activité, l'agroalimentaire, l'agriculture, l'énergie et les quincailleries. J'ai commencé ma carrière comme redresseur d'entreprise. Quand je voyais que la coopérative était en difficulté, ben j'avais le goût de venir donner un coup de main. Alors, je suis revenu en région, c'est ma région natale, donc j'avais déjà Nutrineur en tête. Je me disais, quand je vais être vieux, c'est ici que je vais être. Pour moi, de voir Nutrineur où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui versus ce qu'elle était il y a 17 ans, c'est ce qui me rend le plus fier. J'ai fait le redressement, j'ai fait la consolidation. Maintenant, on est en croissance, puis je la vois encore beaucoup plus loin qu'elle est aujourd'hui. Le développement durable chez Nutrineur, c'est gage de développement des affaires, autant économique, social qu'environnemental. Nous, notre vision de développement est vraiment basée sur les produits spécifiques inimitables de la région. Au-delà des résultats financiers, moi, je pense qu'il est important, c'est que les humains se développent à l'intérieur de l'entreprise. Les gens, aujourd'hui, s'accrochent aux gens qui sont inspirants plus qu'aux marques, plus qu'aux entreprises. Il faut être un leader inspirant. Donc, je m'entoure de leaders inspirants. Un bon leader, c'est quelqu'un que sa porte est toujours ouverte. C'est quelqu'un qui est accessible, autant présent avec les équipes quand il y a des défaites que quand il y a des victoires.